Salutations les anciens. Belle servante de Moïké, avons-nous une raison de nous réjouir? Non, mes anciens. Mes aînés, je fais de mon mieux. Je suis désolée. Vraiment. Mon roi, qu'est-ce qui s'est passé? Si j'avais une réponse à cette question, on n'allait pas avoir cette conversation. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Mazemba, pourquoi te comportes-tu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qui se passe ici? Est-ce de notre faute? Non, pas eux. Mais pourquoi vous comportez-vous de cette façon? Vous êtes comme des hommes qui n'ont jamais vu une femme nue. Notre roi a un problème qui relève de toutes nos compétences. Mais vous vous empirez les choses. Hein? Igwe? Les anciens de notre terre. Merci énormément pour le soutien et d'être à mes côtés pendant ces durs moments. J'ai beaucoup aimé. Mais je veux que vous rentriez maintenant chez vous. Je le prends à partir d'ici. Je vais suivre ses instructions et nous allons encore nous converger. Mais Igwe... Maintenant, il a besoin de rester seul. Toi aussi, vas-y. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Tel que je vous vois là, c'est soit vous êtes délibérément stupide ou vous l'êtes inconsciemment. Mais de toutes les façons, ce qui est vrai, c'est que vous êtes stupide. Mazi Onotier. Hein? Ne dis pas ça. Oh, tu, vraiment, tu es un homme stupide. Qu'est-ce que vous racontez? Que je vous dise. Je dis, tu es un homme stupide, mon frère. Ferme-la. Qu'est-ce que tu veux dire? Vraiment, tu es un homme stupide. Je comprends pourquoi tu es comme ça. C'est trois estomacs que tu as. Ah. Tu n'as pas entendu ce qu'il avait dit? Est-ce par la faute du roi que ce problème lui est tombé dessus? Non, dis-moi, à qui la faute? Ce n'est pas la faute du roi qu'il est dans cette condition. Laisse-moi, c'est de ma faute. Hein? Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu veux me dire alors? C'est quoi? C'est la faute du roi. Laisse-les vomir ce qu'il veut dire. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il n'est pas éligible à être membre du cabinet. Et vous, vous pensiez que j'étais un homme stupide, vous voyez? Ça suffit. Est-ce que c'est de cette façon qu'un homme sage parle? Fais attention avec moi, je t'ai dit. Je t'ai dit, fais attention avec moi. Regardez-moi son visage. Si seulement je ne connaissais pas ton père, j'allais te demander de te taire. Oh non, tu... C'est seulement parce que je connais ton père. Hey! Hey, oh non, tu...
suis-je retrouvé dans cette merde? Je ne prends pas de médicaments. Oui. Je n'ai jamais connu un accident ou un problème médical. Qui peut me conduire à ça? Et pourquoi seulement maintenant? Est-ce que cela signifie que la lignée de mon père s'arrête avec moi? Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Quelque chose doit être fait. Écoute, oui, écoute, ne le dis à personne. Je ne te comprends pas. Qu'est-ce que tu dis? Garde vraiment de tout ton cœur, ok? Tu vois pourquoi je n'ai pas marché avec toi? C'est moi à cause de ces choses, hein? Regarde-toi. Comment tu te sens quand tu parles beaucoup comme ça? Je dirais, combien de fois as-tu pu partager mes secrets avec d'autres personnes, toi là? Donc, je suis maintenant une bavarde, c'est ça? Ah ah, ma chère, s'il te plaît, n'ajoute pas ce que je n'ai pas dit, s'il te plaît, oh. Est-ce que tu peux arrêter de faire tout ce que tu es en train de dire là et me dire qu'est-ce qui ne va pas au juste dans le palais? D'accord, ma chère. Je te promets, je le dirai à personne. Toi! Tu le diras à personne, toi! Ok, j'ai pris une bonne note. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais quitter ici. Oh, tu n'es pas la seule. Oh, ma, est-ce que tu peux t'arrêter et revenir ici? Oma, nous sommes cadets ici, donc tu veux me dire tout ce que tu désires me dire, cher ami. Dis-moi, c'est quoi? Oh! Ah ah! Ma chère, pour la seconde fois, s'il te plaît, ne dis à personne ce que je compte te dire. S'il te plaît, promets-moi que tu ne diras pas. Je jure devant mon Dieu. Ok. C'est bon. Il y a quelque chose qui ne va pas avec les rois de... Tu commences maintenant. Calme-toi. Ne le dis pas. Ah. Hey. Tu vois ce que tu as cherché. Hey. Oh. Tu vois. Hey. Tu vois ce que tu as cherché? Hey, mon Dieu. Qu'est-ce que tu as dit? Oh, ma, s'il te plaît, reviens. Non? Je l'ai entendu. Tout, 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 tout. Tout, 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 la générique d'une nouvelle information, l'information de l'heure, une information urgente. Elle a dit que notre roi Obuamo Abuala a perdu toutes ses habits, partie intime. Restez branchés et attendez tous les détails de l'information. J'ai cette sensation. Bien. Et je ressens la chaleur quand son corps se met en contact avec le mien. Ah, ça c'est bien. Mais je ne parviens pas à l'obtenir. Igwe, nous avons essayé tous les moyens. Moyens traditionnels, orthodoxes, même tous les moyens religieux à notre disposition. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas nous dire. Je vous demande pardon? Mon roi, ne faites pas comme si vous ne me comprenez pas. Je ne vous accuse de rien du tout, mon roi. Tout ce que je vous demande, c'est que... soit il y a quelque chose qui vous est arrivé sans que vous ne le sachiez, soit il y a un problème dont vous ne connaissez pas l'origine. Mais non, la vérité, c'est que... nous ne pouvons pas trouver la solution à votre problème.
Et si nous ne savons pas ces dons, a-t-il des questions? Oh non. Igwe. Tu as été un ami de longue date à mon père, et avant même qu'il accède à ce trône. Exactement. S'il existe quelqu'un dans ce monde à qui je peux mentir, cette personne n'est pas toi. Je n'ai rien fait. Il n'y a rien que j'aie commis dont je me rappelle. Et je ne sais pas d'où est-ce que ça vient. Mon roi, je vous crois. Je prie aussi que les autres vous croient. Oui, Akudo, tu vois, toutefois que tu m'appelles comme ça, hein, cela veut dire tu as bien vendu, hein? Devine, papa. Hé, hey, ma fille, hein, attends, une minute, tu réalises que je transpire et je n'ai pas encore eu mon argent. Comme je l'ai eu. Je sais que tu as faim maintenant, hein? J'ai préparé les ignamo. Ah. J'allais oublier, papa. Tu commences encore, tu commences. Je ne vais pas deviner. Je ne vais pas deviner où. Papa. Hein? 2000 naira. Hé! Hey! De quoi? Papa, laisse-moi demander. 2000 naira. Hé! Hey! Hein? Qui a dit les filles ne travaillent pas? Que la personne vienne voir ma fille, Akudo. Qu'ils viennent vraiment la voir. Hein? La fierté de son père. 2000 naira. Si elle continue comme ça, je serai capable de décider et se remarier encore, hein? Ah! Papa, je t'ai écouté. C'est une blague, oh. Je sentais seulement de blaguer. C'est une blague, oh. Ce n'est pas vrai. Hmm? Ce n'est pas ça, oh. Ah! Que je cache d'abord cet argent dans la poche. Les gens viendront voir. Oncle. Papa. Apprends-moi. Pas ça. Mm-hmm. Hé! Hey! C'est fini! Tu as vraiment raison. Tu sais, actuellement, j'aime écouter ta voix. Ça a cette sensation douce et sexy que j'aime tellement. Tu sais une chose? Quand mes parents m'ont dit que j'étais choisie pour le roi du royaume des Umuke, oh mon Dieu, j'étais devenue folle et si consternée. Mais le problème était que je ne pouvais pas te voir jusqu'à ce que tu accèdes au trône. Mais maintenant, il n'y a rien qui peut arrêter ma joie. Crois-moi, tu es plus qu'un homme. Ne t'inquiète pas, ok? Je suis celui qui a la bonne chance. Et d'ailleurs, je ne peux pas attendre de me réveiller chaque jour avec toi à mes côtés. Mes excuses, j'ai oublié que nous ne devons pas rester ensemble pendant 6 mois. C'est ça la tradition, rappelle-toi. Ne t'inquiète pas pour ça, ok? Tu dois juste être très concentré pour ce que tu fais. Et avant que tu le saches, 6 mois vont passer et nous serons ensemble, ok? Je t'aime. Je t'aime énormément. Prends bien soin de toi. 22 pales.
Votre vin de palme. Vin de palme. Votre vin de palme. Achetez votre vin de palme. Votre vin de palme est là. Achetez votre vin de palme. Votre vin de palme est là. Je refuse de rentrer avec tous ces trucs à la maison. Je refuse de rentrer avec tout ça à la maison. Regarde maintenant. Viens, écoute-moi. Je t'ai sorti pour te vendre et je vais te vendre aujourd'hui. Je ne rentre pas avec toi. Je ne peux pas rentrer avec tout ça quand même. Je te recommande de m'ouvrir les chemins maintenant. Ouvre-moi les chemins. Je vais te vendre. Ouvre-moi les chemins. Ah! Je ne connais rien à propos de ces foudres. Je vends mes trucs. Hey! S'il te plaît, calme-toi. Je ne connais rien. Je suis innocente. Je suis innocente. Achetez votre vin! Mais nous ne pouvons pas aller au-delà de nos possibilités parce que nous voulons aider le roi. Nous avons fait tout ce que nous pouvions. Alors on doit abandonner. Maze Onoche, ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Alors qu'est-ce que tu dis? Regarde Maze Onoche, tu n'es pas le seul à être dérangé par rapport à ce problème. Nous le sommes tous. Le plus tôt que nous résolverons ce problème serait le mieux. Hein? Si aucune solution n'est trouvée sur la partie intime du roi, nous n'aurons pas d'autre chef à sa mort. Et bien sûr, tu connais la coutume des Umuike. La royauté ne quittera jamais la famille d'Ouago. Et s'il meurt maintenant, nous resterons sans roi.
Maze Onoche, nous allons nous y prendre bien. Non, mais nous en aurons. Alors, mon cher, on doit les faire le plus tôt possible. Oui. Nous allons bien nous y prendre, Maze Onoche. Je sais que tu es vraiment consterné, mais nous allons y travailler. Au nom de mon Dieu très haut, je ne lui avais pas demandé son numéro. Ok, laisse-moi te demander, est-ce que son numéro est un visa américain? Ou c'est un numéro de la loterie? Tu ne prenais pas son numéro, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu faisais avec son téléphone? Chino, si. Elle m'avait juste demandé de lui envoyer un peu d'argent, c'est tout. Je maudis même ses moments. Hey! Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi que tu ne crois pas. Je ne le crois pas. Pourquoi tu te moques de moi? Parce que tu connais ce que tu fais, laisse-moi. Ma chérie, tu sais que je ne serais pas calme si je te montais. Hein? Tu es mon amour. Et j'ai vraiment besoin de toi. Je t'aime. Je sais, je t'aime beaucoup. Allez, viens ici. Oh, oh là là. En tout cas. Laisse-moi défendre. What is love without you inside of it? And where is my heart without you inside of it? And true love is hard to find, but with you I feel alright. True love is hard to find, but with you I feel alright. It's the way you smile at me and the way you call my name. Now you're calling it again. Say you're calling it again. I will never let you go. Won't let nobody come between. Stand with me, I'll stand for you. And I will stand by you. True love is hard to find, but we I feel alright, 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 alright. True love is hard to find, but with you I feel alright, 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 alright. Feel alright. Stand up for love. Feel alright. Stand up for love. Feel alright. Stand up for love. Say I feel alright. Stand up for love. Ah. Vous voyez, dans tous ces villages, peu importe quand qui dit, parle, on dit que j'ai parlé. Mais c'est bon alors. Ils continueront à dire que je parle sous l'influence de l'alcool. Mais je sais ce que j'ai dit. Toute chose ne concerne pas. Toute chose n'a rien à voir avec l'alcool. Mais des fois, ça concerne aussi l'alcool. Essayez de retirer cette conception. Vous tous, vous devez aider notre roi. Aidez-les. Ces parties intimes ne fonctionnent plus. Oui. Une maladie non... à qui dit, es-tu fou? Une maladie non connue a affecté les parties intimes du roi. Oui, notre roi. Notre Igwe. Ces parties intimes ne fonctionnent plus. En fait, notre roi n'en a plus. Ces parties intimes sont périmées. Périmées.
Notre roi a besoin d'aide. Notre roi sait bien que s'il n'y a personne qui puisse l'aider, moi-même, Akidi, je vais l'aider. Je vais l'aider parce que j'aime aider. Je vais aider le roi. Je dois aider le roi. Alors, les staffs du roi ne travaillent pas. Personne n'a entendu quelque chose à propos de son mariage. Elia, il faut dire ce que tu maîtrises. Il faut dire ce que tu maîtrises parce qu'il est punissable de porter des mauvais témoignages sur quelqu'un. Hein? Et qui t'a dit que la chose du roi ne fonctionne pas? Et c'est juste qu'il doit seulement s'abstenir de toutes ses filles. Et c'est juste pour 6 mois. Avant de se marier, c'est pourquoi il est resté célibataire. Regarde, il n'y a rien comme faiblesse. Oublie ça. Tu le crois? Écoute. Akidi, hein, peut être un loquace, mais la plupart du temps, il faut prendre en considération de ce qu'il dit. Ah non, oublie ça, ce garçon est un ivrogne. Et je ne peux jamais croire en quelque chose qui sort de sa bouche, juste à ce que mon père va l'affirmer. As-tu oublié que mon père était membre du cabinet? Il doit être au courant. Alors, revenons maintenant au travail. Je l'ai dit. Ces servantes du palais sont vraiment inutiles. Tu sais... Tu es terrible, toi. Comment pouvez-vous oser me trahir en partageant ce qui était censé être secret? Igwe... Je n'ai pas encore fini, Mazedibé. Vous vous appelez aussi ancien pendant que vous faites n'importe quoi, hein? Vous dévoilez les secrets du palais. Maintenant, vous m'avez mis la honte et je dois prendre vie avec ce problème. Comment êtes-vous? Igwe, s'il y a quelqu'un qui doit endosser la responsabilité, c'est bien ces messieurs appelés Mazigwa. Mazo Noche, tu dois être fou. Oui, je suis bien fou parce que je suis inquiet de ta position. Parce que si tu avais le minimum de respect envers le Igwe, comment pouvais-tu dévoiler un secret royal? Comment? Mazo Noche, ce n'est pas une accusation. Que signifie cela? N'étais-tu pas là quand il disait ça? Non, je te demande, n'étais-tu pas là? Maze Onoche, je ne pense pas que ce serait la bonne façon de résoudre ce problème. Ça, ce n'est pas un problème, encore moins une allocution. Je suis juste en train d'établir des évidences. Comment est-ce que c'est faux? Ne pouvait pas garder sa bouche bée. À qui la faute lorsque quelqu'un va dîner avec des sorciers du moment où nos dieux, nos seigneurs sont en train de résoudre d'autres problèmes? Il ne peut pas en être frustré vraiment, hein? Il ne peut pas. Ça suffit. Est-ce que vous l'entendez? Cet homme a dépassé la limite. Ça suffit. Igwe! Le vin est déjà tiré. Et c'est entre la bouche de tout le monde. Je dois apprendre à vivre avec ces problèmes. Il n'y a rien qu'on puisse faire maintenant. Il fallait au moins garder la nouvelle. Igwe. Toi, vous tous. Non, mais respecte-toi. Il faut que tu te respectes. Ce n'est pas bien, ça. Ruler of the land, king on the throne. He has so many missions, but affected with affliction. He's the king of the kingdom, king of the people. Je te demande un peu, pourquoi tu m'as demandé de se calmer? Je n'ai pas aimé de la façon dont Onoche m'a parlé. Qui est-il pour me parler de cette manière? Hein? C'est bon. La chose qui m'a donné le droit de pouvoir te parler, c'est à cause de ces 3 estomacs que tu as dans ton corps là. Qu'est-ce qui ne va pas avec cet homme? Non, en première position, est-ce que tu es celui qui était supposé parler de cette façon là-bas? Est-ce que tu étais supposé parler comme ça? Mazo Onoche, tu es en colère envers Mazemba pour ce qu'il a fait? Ou tu es en colère pour son statut? Bien. Alors pourquoi il devait parler comme ça? Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce qu'on a peur de lui? Mazo Noche, honnêtement, je n'aime pas de la façon dont tu te comportes. Mazemba que tu vois, c'est un homme âgé et respectable. C'est vrai. En plus, il peut être âgé de plus que toi. Regardez-moi aussi ce bêtisard, plus âgé que toi. Hein? Plus âgé, tu connais ce que c'est plus âgé? Adressons-le avec respect. Tu sais ce que ça signifie quand tu dis quelqu'un est plus âgé que l'autre? Hein? Ok, désolé, désolé. Mazemba, je suis vraiment désolé. Nous te devons du respect parce que tu es stupide. Quoi?
Attends, je vais te faire du mal. Pourquoi vous vous donnez? Non, non, laisse-moi finir avec lui. Il se prend pour qui? Laisse-moi m'en charger avec cet homme. Non, ne fais pas ça. Regarde cet homme, je vais te tuer. Je vais te tuer. Un jour, je vais te tuer. Tu es qui? C'est fini, c'est fini. Partons, partons. Ne t'en fais pas, je vais te revenir. Ne t'en fais pas. Je les réserve. Je les réserve pour toi. Mazio Nautier, pourquoi tu es comme ça? Toi aussi, disparais. Si tu ne disparais pas, je vais te donner ça que je lui avais réservé. Hein? T'en auras deux. Je n'aime pas ce genre d'attitude. Vous n'êtes que des bêtises en vous. Je continuerai à dire ce que je dis. Le roi est une bonne personne. Et si personne ne peut l'aider avec ses parties intimes, personnellement, j'irai les trouver pour lui. À qui dit à me dire la vérité et je continuerai à les dire. Ah ah. Je dois. Ah! Hey! Faites-moi descendre. Faites-moi descendre parce que je prêche le serment du roi. Faites-moi descendre. Si je tombais, ça sera à cause de vous. Si je tombais, vous aurez un problème. Je voulais dire que vous n'êtes pas au courant de ce qui a dit de faire circuler comme nouvelle. Et qu'est-ce que ça peut être? D'accord, approchez-vous. J'ai appris à qui de dire que les parties intimes du roi ne fonctionnent plus. Ah! Est-ce que tu te rends compte de la bêtise que tu viens à peine de sortir de ta bouche? Hein? La partie du roi. Fais attention. Donc tu veux dire que tu es juste venu ici pour nous passer l'information de Akidi? Dis-nous. Tous nous savons qu'Akidi est un ivrogne. Et rien d'important est déjà sorti de sa bouche. Regarde, ne nous implique pas dans tes affaires. Oh. Est-ce que tu m'entends? Alors, retire-moi dans tes affaires. Attends. Je viens de penser à ça. Comment est-ce possible que les parties intimes du roi ne peuvent plus fonctionner? Ou bien que c'est devenu une machine? Si les parties intimes sont devenues une machine, on peut aller chercher le réparateur? Écoutez les gars, je n'ai pas quelque chose à parler à propos. L'unique chose que je vais vous dire les gars est que vraiment gardons nos bouches silencieuses. Ou bien. Les rois, son problème ne nous concerne pas. Bien sûr, pardon. C'est exactement ce que j'allais dire. Respecte-toi. Je ne vais pas beaucoup parler. J'ai repris mes forces. Attends d'abord, Omar. Donc avec toute la beauté que tu as, tu n'as pas pu séduire le roi? Arrête ça. Je ne suis pas en train de blaguer. Je suis sérieuse. S'il te plaît, raconte. Qu'est-ce qui s'est passé au palais? Mes sœurs, c'est au-delà de la beauté. Je dirais... Le problème du roi n'est pas lié à notre beauté. Si tu me demandes, je dirais que le problème du roi, c'est un problème spirituel qui ne nous concerne pas. Que veux-tu dire par là? Akudo, comment peux-tu expliquer l'importance d'un homme qui n'a jamais pris de médicaments? Qui n'a plus non plus un problème de la santé? Il n'est même pas un coureur de jupon. Alors comment tu peux expliquer cela? Prophétesse Oma, je t'ai salue. Alors, qu'est-ce qu'il a pris comme solution à ce problème? Tu veux savoir? Ok, je vais vous dire les filles. C'est seulement de cette façon que le roi sera libre. Oma. Écoute-moi très attentivement. Le roi a besoin d'une bonne femme qui peut lui satisfaire, non pas seulement par sa beauté, mais aussi par ses compétences de séduction. Ah, et le meilleur de ce côté. Oui. Ma chère,
Donc tu vas aller séduire le roi. Donc tu vas aller séduire exactement le roi. Mon souhait. C'est ce que je veux. Merci. Je te souhaite le bonjour meilleur. D'abord. Ah! Itché! Bonsoir! Mais le tireur de vin de palme! Mais voici! Le seul tireur de vin dont le produit a été goûté par les dieux! Et lui ont donné la couronne et le titre! Hey! Au garantin, ok, one, one, ok! Hey! Mazonochi, tu sais que parfois. Je pense que tes collègues te manquent. Hein? Ils supposent être comédiens, tu sais. Mon beau, hein? Faites preuve d'un peu de patience. Parce que très bientôt, mon fils va venir demander votre fille en mariage. Ah ah, Mazi. Pourquoi allons-nous vite avec les choses, hein? Pourquoi aller vite? Faisons les choses lentement. Hein? Tu sais que la bonne chose est que ma fille... aime ton fils Udoka. Oui, il s'aime. Alors, je suis vraiment sûr que Akudo attendra jusqu'à ce que ton fils sera prêt. Il n'y a pas de problème. Ok, pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il semble que tu allais vers quelque part. Oui, ça c'est vrai. Vraiment. Tu sais que tu es un très bon papa. Merci beaucoup. Merci. Non, non, merci. Ça, c'est beau. Merci beaucoup. Mazi, que Dieu te bénisse. Tu es un homme bien. Bon, bye. Mombo. Hey. Mombo. Igwe, s'il vous plaît, prenez en considération mon conseil. Oh non, vous ne pouvez pas quand même me demander de prendre conseil auprès d'un ivrogne. Igwe, depuis qu'il a été arrêté, il est toujours en train de dire qu'il a une solution à votre problème. Qui sait si Dieu est en train de travailler en lui, en votre faveur? Il n'est pas bon de négliger quelqu'un, Igwe. Oh non. Je te respecte énormément et je te connais comme un homme de sagesse. Merci. Mais cette fois-ci, vous vous êtes trompé. Akidi ne peut pas proposer une solution. D'où est-ce que la solution viendra? Igwe, on ne sait jamais. Je sais quand même et cette personne ne peut même pas se conseiller lui-même. Hey, Jai. Viens, je vais te montrer ce que je voulais te montrer. Papa? Udoka? Papa? J'espère que tout va bien. Oui, papa, tout va bien. Hein? Aujourd'hui, je vais vous accompagner à faire le vin de palme. Hein? Oui. Tu en as déjà l'expérience? Hé, hey, papa. Hein? Et si je me mets à te dire le nombre de choses que je peux faire? Hey. Vous serez vraiment, vraiment surpris. Hein? Oui, oh. Ah. Allons-y, vous allez voir de vos yeux. Attends. Pourquoi tu veux me suivre? Papa, je n'ai rien à faire aujourd'hui. Ce n'est pas important que je reste à la maison sans rien faire. Voilà pourquoi je vais aider mon beau-père. Hey, je vais faire quelque chose pour vous. Hey, tu as vraiment bien pensé. De toute façon, comme tu as insisté, tu as bien pensé. Comme tu insistes. Où est votre objet là? Mes bidons? Oui. Je les avais oubliés. Je les ai laissés au champ. Oh, vraiment? Juste avant de le prendre quelque part. Alors. Merci. Alors. Fais attention avec mon vélo. Akidi, tu disais que tu avais la solution à mon problème. Puis-je l'entendre? Akidi, c'est à toi que je parle? Est-ce que tu réalises que je suis le roi et que c'est une insulte de ne pas répondre pendant que je te parle? Ok. Je peux voir que tu t'es décidé de ne pas parler. Ça va te condamner et tu vas rester subir ta peine. Regarde, tu... Akidi,
Ok, ok. Je te donnerai 3 calebasses de cette boisson de plus si seulement tu arrivais à me donner la solution à mon problème. Qu'est-ce que tu as dit que tu veux savoir? J'ai trouvé la solution à mon problème. Igwe, c'est merveilleux. D'ailleurs, ça c'est la meilleure nouvelle que j'ai apprise depuis le début de l'année. Hey, Igwe. Je crois que mes paroles n'avaient pas été libérées en vain. En fait, nous sommes vraiment intéressés d'entendre cette solution. Et ça ne sert à rien de traîner. Partageons la nouvelle. Je veux faire revenir ma fiancée Sandra. Qu'est-ce que vous venez de dire? Vous avez entendu. Mais savez-vous que c'est contre notre tradition? Ta reine en devenir, elle ne peut pas te voir directement après le couronnement. Je crois 6 mois après. Il y a que 3 mois, tu veux bafouer la loi du royaume. Igwe, pardon. Ceci est contre notre loi. Connaissez-vous que cette loi nous avait été léguée par nos ancêtres depuis le temps immémorial? Et c'est maintenant que tu veux la bafouer? Jamais. Igwe, ça ne tiendra pas. Jamais. Ça n'ira pas. Mazimba, tu as raison. Merci. Igwe, ce n'est pas vraiment juste. Ce n'est pas vraiment juste. Laissons la future reine venir ici au palais. Maze Onochie. Oh non. Les anciens. Notre Igwe a suffisamment souffert à cause de ce problème. Si ramener la future reine résolvera notre problème, alors pourquoi est-ce qu'on est en train de traîner? Cette loi dont il est question a été faite par les hommes. Elle peut aussi être abolie par les hommes. Je le savais que tu es moins sérieux. Je le savais que tu devrais être de l'autre côté des fers. Tu peux me faire plaisir de te taire. Que la foudre s'abatte sur toi, insensé que tu es. Oh, mais tu te crois sage. Où avez-vous déjà vu que quelqu'un comme toi être bourré de sagesse? Où? Avec tout respect que je vous dois, Mazo Boutier. Avec tout respect, Mazo Boutier. Alors avec beaucoup de respect, taisez-vous. En fait, je commence à me poser beaucoup de questions sur toi, Mba, et celui qu'on appelle Unduka. Vous êtes contre le royaume. J'en ai assez, Onochi. Comment oses-tu parler avec cette insolence devant le roi? Hein? Tu dois apprendre à tourner ta langue avant de parler. Pourquoi ne te comportes-tu pas comme un homme? Je te demande de demander pardon maintenant. Je vous présente mes excuses, je suis désolé. Ce pardon t'a été accordé. Mes anciens, je ne souhaite pas aller à l'encontre des traditions de notre terre. Mais je veux juste que vous compreniez la douleur de mes peines. Tout ce que je demande, c'est que elle puisse être permise de venir vivre avec moi dans les palais. Nous n'avons nécessairement pas besoin de nous marier avant que les 6 mois arrivent, comme le stipule la coutume de notre terre. Mais au moins permettez-lui d'être près de moi, d'être pour moi et d'être avec moi, afin que j'essaye de remettre en vie cette partie de mon corps. Est-ce beaucoup demandé? Igwe, ce genre de décisions ne peuvent pas être prises en ce moment précis. Nous pouvons partir et réfléchir sur ça. Puis nous reviendrons converger nos idées pour trouver une solution. Je suis d'accord avec vous, Nou. Mais en fait, ça serait mieux de rentrer à la maison et de penser sur ça. Puis vous allez me dire ce que vous avez décidé en fait. Mais prenez mes mots. Peu importe ce que sera la décision finale. S'il vous plaît, rassurez-vous que c'est pour l'intérêt de cette terre. Igwe... Vous pouvez partir. Euh, euh,
Même quand les gens m'abandonnent, ils pensent que je suis un ivrogne. Mais en réalité, je propose des solutions. Rumukana, Rumukozo, tu vois, je t'avais dit qu'un jour je serai grand dans cette terre. Mais tu avais refusé de me croire. Maintenant, tu vois, à qui dit l'homme inutile et l'ivrogne a sauvé le jour. Le roi a accepté mes conseils. Et bientôt, très, très bientôt, ces problèmes inconnus qui les dérangeaient sera connu. Mais laisse-moi te dire, je sais que tu as déjà commencé à tomber amoureuse de moi. Mais je ferai bientôt ce que je ne pouvais pas faire après tout. Crois-moi, bien sûr. À qui dit? À qui dit? Donc tu n'as même pas pitié de toi-même. Hein? Regarde-toi comment tu es devenu. Hein, à qui dit? Toi, cette bavardeuse du village, tu ferais mieux de t'en aller et de me laisser seule. Laisse-moi discuter avec l'amour de ma vie. Oui, vas-y, sors. Bon, dis-moi, que vas-tu discuter avec lui? Ce n'est pas ton affaire. Akidi ne peut jamais, jamais partager les secrets du roi. Jamais. Hein? Tu veux que je te dise que le rejeté du roi reviendra à la maison très bientôt? Jamais. Je ne vais jamais te le dire. En fait, rends-moi une faveur maintenant. Va-t'en. Va-t'en avant que je ne m'occupe de toi. Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'a choqué? Rien du tout. Rien du tout. Juste continue ta discussion avec ton amour. Hein? Laisse-moi continuer mon chemin. Je vais surtout pas t'interrompre. Laisse-moi partir. Une stupide bavardeuse. Qu'est-ce que je disais? Mon amour. Comme j'étais en train de le dire avant. Ça, c'est ça les choses que vous pouvez voir dans notre village. Comme j'étais en train de dire, mon amour. Comme je disais. Ah, mon fils. Ah, papa. viens me rejoindre à boire, non? Ah, et... papa. La chasse est intéressante. Il y a eu un brillant soleil aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelle bonne nouvelle? Tu sais que notre roi a trouvé la solution à son problème. J'étais très bien. Hey, que les dieux soient loués. C'est vraiment ça. D'accord. Alors, c'est bien. Papa. Parfois, tu me rends vraiment jaloux. Vois la manière dont tu t'inquiètes de ses affaires. S'il est un frère pour moi, je ne le sais pas, mais dis-moi. Non. Non. Non, écoute. Mon défunt père était vraiment un ami à moi. Il avait fait que je puisse le promettre que je prendrais vraiment soin de mon fils. Je vois. C'est bien, oh. Il n'y a rien à se craindre à propos. Même le roi et son fils ont une place importante dans mon cœur. Et toi, tu es toujours mon fils. Mon précieux fils. Et j'ai vu avec toi. Je suis déjà en train de penser que je suis en train de perdre mon cœur. Non, ce n'est pas possible, en effet. Je peux voir que tu as quelque chose. Avant même que nous puissions commencer, je devais voir ça. C'est un gibier et c'est vraiment beau. Et j'ai encore des poissons frais. Je vais aller préparer dans la soupe. Même si ça, ce n'est pas pour moi.
Sache que je n'ai pas encore mangé un gibier il y a très longtemps. Alors, si tu vas vraiment faire la soupe, s'il te plaît, essaye de mettre ce petit gibier pour moi. Papa, je vais chasser demain. Spécialement pour vous, j'irai à la forêt pour chasser un gibier pour vous. Mais celui-ci, je vais vous faire un très bon repas demain. Alors, je dois un peu m'empresser pour aller là-bas. Et parce qu'il doit aussi aller préparer et manger. Bon, j'arrive, papa. Toi, vraiment. Je viens. D'accord, papa. Ah, c'est l'amour. Bon, à tout à l'heure. Pas de choix. Écoutez, écoutez attentivement. Les papas, les mamans, les frères, les sœurs, les enfants et les étrangers, hommes et femmes, noirs ou blancs, toutes les tailles, toute personne, notre roi, roi Igo Nwagu Obika, le premier citoyen de ces royaumes, il m'a demandé d'annoncer à tout le monde de cette communauté. Préparez l'arrivée de sa femme, qui aura lieu dans 2 jours du marché de maintenant. Il y a beaucoup à manger, à boire et réjouir. L'homme averti en vaut des hauts. Les préparations que nous faisons pour toi sont tellement bonnes. Ne t'inquiète pas, nous allons passer un bon moment. C'est vrai ça? Tu sais que... C'est qui ça? Chérie, mais c'est qui cette personne qui vient de passer? Oh, là c'est Francie, ma meilleure amie. Viens, viens, viens. Salut, salut. Mon fiancé. Oh, mais sois calme. Oui, salut. Comment vas-tu? Je vais bien. Oh, chérie, je voulais te poser une question. Est-il possible que Francine vienne avec moi? Parce que je veux faire un long séjour là-bas. Elle va rester seule, please. Oh, c'est bien. Écoute, ce palais est plus grand qu'il peut même contenir plus de 20 personnes. Et ces gens peuvent rester aussi longtemps qu'ils veulent sans même qu'ils se voient. Alors sens-toi libre de venir avec la personne que tu veux aussi longtemps qu'elle vient avec toi. Nous allons juste l'associer, ok? Voilà pourquoi je t'aime. Merci. Je t'en prie, mon amour. Ils pensent qu'ils peuvent m'arrêter et m'emprisonner. Regardez-moi ces gens qui pensent qu'ils sont plus forts. Ils pensent qu'ils peuvent m'arrêter et m'emprisonner. Hein? Ils m'ont arrêté et m'ont emprisonné et m'ont laissé par eux-mêmes. Aucune charge contre moi. Aucun problème contre moi. La prochaine fois, venez encore m'arrêter. Si ça ne se terminera pas par vous-même vous faire arrêter par le roi. N'importe quoi. Mais pourquoi tu me fuis? Hein? C'est pendant que tu courais qui a fait à ce que moi aussi je cours. Pourquoi courais-tu? Je vois, donc tu me poursuivais. Il y a aussi des gens qui me poursuivent. Je pars vite voir mon père. J'ai quelque chose de très important à lui dire. Hein? Les femmes, dois-je même dire que la foudre s'abat sur toi ou que Dieu te punisse? Donc parce que tu rentrais voir ton père que tu étais en train de courir comme ça. À cause de ça. Donc tu voulais que j'aille juste te faire. Ce n'est pas de ta faute, c'est de ma faute. Je devais rester debout là. Au lieu de courir. Ah, qu'il ne finit pas tout. La route est encore longue. Allons-y. Ah, mais pourquoi tu cours comme ça? Papa, hein? Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'espère que tout va bien. Oui, papa, tout va bien. Mais il y a quelque chose. Quelque chose? C'est quoi? Oui, papa, viens. Hein?
Allons lentement, 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 oh. Hein? Viens, ah, tu dois allons-y ça. Alors. Viens, attends-moi ici. Ok, attends-moi, j'arrive. Pousse un peu vers l'intérieur, lentement, lentement. Ah. Hein? Ça, c'est ce que Mazonotier t'a envoyé. Ah, ah. Tu veux dire Mazonotier nous a porté ceci? Hey! Et la ah, ah. Vin du palme. Oh, Mazonotier. Ah, Hakudo. Ceci sont arrivés au bon moment. Mmh? Parce que toutes ces choses sont vraiment bonnes. Et je m'inquiétais toujours d'où est-ce que nous aurons notre dîner. Honnêtement. Hmm? Papa. Tchaï. Arrête de dire ça. Tu vas me faire pleurer. Hakudo. Et ça, c'est la faveur des dieux. De tous les beaux pères potentiels de cette communauté. Les dieux ont choisi l'un qui est généreux. Hmm? Oui, papa. Hmm. Des choses comme ça me rappellent vraiment de votre maman. Papa, arrête ça, stop. Quand votre maman était en vie, avant de nous quitter, les choses n'étaient pas difficiles de cette façon. Mais, après avoir nous quitté, j'ai parcouru une situation difficile pour devenir ce que tu es. C'était difficile pour moi. Vraiment, vraiment difficile. Oh. Papa, mmh. Tu m'as fait ça, pleurer, ma fille. C'est difficile d'arrêter. Je ne peux pas arrêter. Ah. Ah. Mon Dieu. Bonjour, chers téléspectateurs. C'est Vicky Mac. Ça, c'est les Flash Info de 8 heures juste. Le président de Nollywood, connu par le nom de Monsieur Erickson, a aujourd'hui récompensé certains directeurs. Cela a été organisé par certaines associations communicationnelles ici sur place. La prochaine information consiste... L'avion Swiss Airlines a connu un crash aujourd'hui à 15h juste le 24 juin 2020. Le reportage a été assuré par l'un de nous et personne n'a survécu. Non. 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 Les anciens de notre terre. Igwe. Mon père avait l'habitude de dire, lorsqu'une personne qui utilise la main droite perd cette main, sa force vient de sa main gauche. Ça fait énormément mal et c'est vraiment triste que ma fiancée Sandra meure par un crash d'avion. Mais je dois prendre de force. La vie continue et je veux que nous nous arrangions et que nous envoyions une personne là-bas pour compatir avec sa famille pour le compte de son royaume. Egwe. Oh non. Vous avez vraiment parlé comme le vrai fils de votre père. Votre père, notre défunt roi, ne revenez pas sur les temps perdus. Il prenait ses responsabilités et cherchait à avancer. C'est ce que vous avez fait. Je vais m'arranger pour aller visiter sa famille.
Les anciens, ai-je été sur la bonne voie? Oui, bien sûr, et oui. Et c'est à ces conclusions que je vais tirer la leçon du jour. Maintenant, je peux partir afin que j'essaie de m'améliorer. Merci d'être venu. Merci d'avoir honoré cette invitation, car sans vous, je ne sais pas comment est-ce que j'allais me sentir. Igwe. He's the king of the kingdom, king of the people, and he has so many missions. For affected with affliction, he's the ruler of the land. King. Amche, peux-tu arrêter? S'il te plaît, arrête, arrête ça. Regarde-moi celle-là. C'est depuis quand que je prends la part de quelqu'un? C'est depuis quand? Uche, Oma a raison. Il serait mieux pour toi de chercher une autre personne. Tu dois être compréhensive. C'est quoi? Et qui a dit que je suis vraiment irresponsable bien? Je ne le suis pas. Je suis juste heureuse parce que je sais que j'ai l'opportunité de tenter ma chance et devenir la seconde reine. Pourquoi vous êtes jalouse comme ça? Jalousie! Qui t'est jalouse parmi nous? Regardez-moi celle-là, qui est jalouse de toi? Mais vous devez bien sûr, vous êtes en train de me jalouser. Oui, parce que vous devez vous connaissez que je séduis le roi, comme d'habitude. Il va me marier, faire de moi la deuxième reine. Et c'est ce qui fera la différence entre moi et vous deux. Oui, certes, vous deux, vous êtes jalouse. Tu dois arrêter de rêver. Amouche, s'il te plaît, je dois d'abord bannir cette idée dans ta tête. Et arrêter de dire des choses qui n'ont pas de fondement. Hein? Bien. Si vous voulez me prendre pour la mauvaise personne, essayez encore de dire mal de moi, vous allez sentir. Amoucha, je t'interdis de dire ça moi, je t'interdis sinon. Hey, Oma, tu crois que je parle de toi? Oma, tu crois stop, vraiment que je allez, parle de c'est toi? C'est bon. Stop. Amoucha. Je n'ai pas faim. J'ai dit que je n'ai pas faim. Ike, j'ai besoin de rester seul. Mon roi, je sais que je ne mérite pas de vous parler, mais je sois rapide avec ce que tu dis. Oui, mon roi. J'ai appris que depuis que votre mère est morte, vous portez sa mort au cœur. Et aujourd'hui, vous vous faites encore comme ça. Pourquoi me parles-tu de tout ça? C'est ce que j'ai remarqué et je ne peux me taire. La Bible dit que c'est par abondance du cœur que la bouche parle. Mon roi, que pensez-vous de ce qui peut arriver lorsque le cœur sera rempli et que la bouche refuse de parler? Je vous salue, mon roi, laissez que vous viviez longtemps. Mon roi, vous avez besoin d'une femme dans votre vie. Ce n'est pas important qu'elle soit à deux goûts ou pas. Ce n'est pas important. Tout ce dont vous avez besoin, c'est quelqu'un qui va vous aimer, qui va prendre soin de vous, à qui vous pouvez parler, mon roi. Je pense que j'en ai fini là. Merci. Une chose encore, mon roi. N'ayez pas peur de pleurer.
les hommes sont autorisés à pleurer. N'ayez pas peur d'exprimer vos sentiments. Sentez-vous libre de pleurer, mon roi. Ça ne signifie pas que vous êtes moins fort. Vous êtes un homme fort. Et je le sais. Recevez mes salutations, mon roi. Que votre règne soit long. Je m'en vais. Je suis désolée, mon roi. Je ne saurais faire ce que vous m'avez demandé de faire. Akudo, je ne te demande pas de m'épouser. Je te demande juste d'être avec moi. Ne peux-tu pas? Pourquoi vas-tu loin de moi? Akudo, mais je ne vais pas te violer. Écoute, tu es une fille belle. Akudo. Je veux juste... J'espère que c'est pas ce que je pense. Oui. 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 Le roi. Mais est-ce que tu as un rendez-vous avec lui? Pas nécessairement. Mais dis-lui juste que je suis là, il a besoin de me voir. Mon ami, quitte cet endroit. Est-ce que j'ai l'air de m'aventurer avec toi? Va-t'en! Mais je demande de partir, quitte cet endroit. Laisse-moi! Va-t'en! Oh! Ne la bousculez pas! J'ai dit de ne pas la bousculer! J'ai entendu ta conversation avec ton ami. Maintenant, dis-moi ce que tu veux avec mon roi. Ok, je réponds au nom de Aruchirabawa. Oui. Je suis venu apporter une solution durable au problème du roi. Vraiment? Tu disais c'est quoi encore ton nom? Je suis Aruchirabawa. Muchiwabara. Je vois. Suis-moi. Allons-y. Alors, comment prétends-tu essayer de me faire revivre? Mon roi, j'ai un record imbattable de danse. Je passe seulement un penchant vers la danse. Vraiment? Oh oui, mon amour. Oh, désolé, mon roi. D'accord, voyons-la alors. Es-tu venu ici pour jouer ou quoi?
Oh, je suis désolée, mon roi. Je fais tout ceci avec la musique. Comme il n'y a pas la musique, c'est pourquoi ça ne tient pas. J'ai besoin de la musique. Ok. Garde! Vraiment. Et Oluchi, oui, merci pour la journée. Je t'en prie. Attendez que je ferme un peu. Il n'y a pas de problème. Oh non, oui. Je suis là parce que vous êtes notre chef, en tout cas. Je suis vraiment sûr que Akreka aura une solution au problème de notre roi. Oh mon Dieu! Pourquoi n'avions-nous pas pensé à Akreka? Il y a en effet aucun problème qu'il ne peut pas résoudre. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas fait appel à d'autres anciens pour que nous puissions contribuer à votre voyage? Oubliez cette contribution, je me prendrai en charge. Je n'ai pas besoin. En fait, il n'y a rien que je ne puisse résoudre dans cette affaire. Oluchi, je suis inspiré par votre voyage pour le roi. Mais regardez-moi, par exemple, j'allais prendre tout en charge. Je suis par votre implication de trouver une solution à ce problème. Mais sache que certains ne peuvent pas te le dire en face. Que toi, tu y es la raison qui fait à ce que nous n'avions pas abandonné le roi. Vous savez, laissez-moi vous dire la vérité. Oui, il y a certainement beaucoup à faire dans cette affaire, mais faisons ce que nous pouvons. Bien, la grandeur d'un roi est mesurée par le peuple qu'il a réussi à unir. C'est vraiment exact. Alors, permets-moi d'aller voir mon beau-père. Béché, le roi des tireurs. Bien sûr. Oh, c'est bien, alors s'il te plaît, salue-les à ma place. Ça ne va pas manquer, vraiment. C'est tout juste que Amuchi me disait comment il a vraiment pu séduire le roi le jour passé. Amuchi, raconte-moi aussi, non? Comment ça s'est passé? Dites-la. Ok, je disais que je couche avec le roi. Et il m'a proposé. Wow! Oui, vous savez, et directement, j'ai commencé à danser pour lui. Il a réagi. Oui, il a réagi et il a commencé à me demander le sexe. Mais vous savez, à cause de son impuissance, j'ai refusé d'abord de lui donner cela. Mais
Parfois, il me propose. Mais je ne sais quoi lui dire à propos de ça, comme étant le roi. Hein? Je vous avais déjà dit, il est vraiment satisfaisant. Oui, je vous avais déjà dit. J'étais vraiment aux anges. Eh ouais! Tchè, Amouche, quoi nous? Hey! La plus belle! Hey! Elle a gagné! Hey! Elle a séduit! Hey! On l'a choisi! Hey! C'est pas normal! Hey, Amouche! Garde tes excuses mensongères là! Et pour c'est... ton mari! Hey! Amen! Mon Dieu! J'ai couché avec le roi. Quelque chose, j'ai jamais vu vraiment ça. Hey. Non mais tu es une menteuse. Ah mon Dieu, tu es une menteuse. Oh non, oui, Jemba. Mon roi. Content de vous voir. Merci, mon roi. Vous pouvez roi. Vous asseoir. Je pense que je ne vous ai pas fait attendre longtemps, hein. Pas vraiment. D'ailleurs, je ne suis pas pressé. Oh. Mon roi, je suis venu discuter une affaire avec vous. Mais avant tout, je voudrais dire pourquoi je suis ici. Ma Zéro Noche m'a dit qu'il veut aller en voyage jusqu'à la maison d'Akreka à votre sujet. Et je pense que c'est une très bonne idée. Maze Onuche n'arrêtera pas de me surprendre. Cet homme m'aime énormément comme si j'étais son propre fils. Il devrait. Votre père était son meilleur ami. Et quand il était en vie, et l'amour qu'il avait envers ton père s'est rabattu sur toi. Ça c'est vrai, parce qu'il a toujours l'habitude de me rappeler mon défunt. Il était vraiment ami. Mon roi, oui, votre téléphone. Excusez-moi. Allô? Allô? Jésus-Christ! Sandra? Miss Sandra. Es-tu en vie? Oui, oui, nous avons tous pensé pareil. Oh mon Dieu! Mon Dieu, ça c'est comme un miracle! Je t'ai entendu, ok. Ok, mon amour. D'accord. Je suis très content pour vous, mon roi. Je suis très content que cette femme soit en vie. Elle est en vie. Nos ancêtres. Elle avait raté son vol. Elle n'était pas dans cet avion. Que nos ancêtres soient loués. Oh mon Dieu. Nos ancêtres. Je suis très content pour vous, mon roi. Mais je ne comprends pas. C'est comme dans un rêve. Qu'ils soient vraiment loués. Je sens le plaisir de prendre le vin à ma soif. Cette nouvelle est juste vraiment la vérité. Je suis déjà ivre de la joie. Finalement, Dieu s'est souvenu de notre royaume pour le bien. Laissez-moi vous dire une chose. Et si seulement cette nouvelle est vraie, hein? Je veux m'assurer de nourrir tout le royaume. Je vais faire ça. Bien sûr, et sera vrai. Qui n'attendait pas l'arrivée du corps de Sandra dans notre royaume? Azuka, vous oubliez que nous n'avons pas encore vu cette fille en personne. La main qui tient une belle fleur ne lâche jamais. D'ailleurs, mon peuple dit... Le roi et son fils ont fait un combat d'âme à cause d'elle. Et tu es, laissez-moi vous dire une chose. Cette beauté va certainement affecter le roi à des endroits imaginables. Mais c'est toi qui ne crois pas que la femme du roi est en vie. Alors vivez, vivez, on est tous joyeux, vivez. Il faut certainement boire. Vous ne savez pas quand est-ce que vous buvez quand vous serez chez vous. Vous tous, ici présents, notre future reine viendra vivre avec nous dans ses palais dans quelques jours. Dike ici présent vous donnera quelques directives sur comment nous allons vivre avec elle et comment est-ce que nous allons tenir notre palais.
Je vous verrai plus tard. Est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, mon roi. Je vous souhaite bonne journée. Mon roi. Nous allons nous rencontrer plus tard. Tout ce que vous devez faire, c'est d'être présente aux besoins de Sa Majesté. Maintenant, vous pouvez partir. Mon fils. Bonjour, monsieur. Bonjour. De qui dois-je avoir cette visite royale? Dédé, vous avez trouvé grâce aux yeux de la royauté. Hein? Oui, Dédé. Le roi de ces royaumes m'a demandé de vous dire que vous donnerez 40 calebasses de vin de palme. Hein? Allez. Regarde la manifestation qui arrive pour l'accueil de la reine en devenir de ce royaume. Sa fiancée. C'est une bonne chose. Voici merci beaucoup. Message. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant. Je vous en prie. Et aussi, il m'avait dit que je vous dise que le paiement s'effectuera le jour de la livraison. Ah, ok. Je ne vais pas rater. Je le ferai. Merci beaucoup. Merci. Merci, mon fils. Je dois déjà m'en aller. Ok, vas-y en paix. Merci, vas-y en paix. Merci, Dédé. Hey! Hey! Au revoir. Allez. Hey! Akudo! Akudo! Hey! Akudo! Hey! Tu es où? Vas-y derrière la maison. Prends les coqs blancs. Les blancs. Hein? Prépare-les pour le déjeuner. Aujourd'hui, on va manger comme les rois. On va manger comme les rois. Oh. Hey. Mm-hmm. Et toi? Tu as le travail à faire. Tu as le travail à faire. Oh. Tu as le travail à faire. 14 bidons de vin de palme. Ce n'est pas une blague. Oh. Le roi de mon cœur, mon unique préféré, le seul qui fait battre mon cœur. Oh. Arrête. Sors de mon chemin. Es-tu aveugle?
Ne vois-tu pas que je reviens à peine de la brousse et je suis vraiment fatigué? Regarde, je n'ai pas le temps pour de bêtises. Va-t'en. Mais laisse-moi t'accompagner. Laisse-moi aller avec toi et te satisfaire afin que tu sois heureux, non, mon prince? Je vais vraiment te satisfaire afin que tu te sens vraiment à l'aise comme tu y es. Et après cela, je vais mettre ta tête sur mes pieds et te mancer les oreilles. Oh, laisse-moi t'aider. Beau, je comprends, je suis beau. Je suis vraiment tenté. Mais ça, c'est ce que tu devais faire au roi quand tu en avais l'opportunité. Mais à la place, tu as choisi d'embarrasser toute une génération en te transformant en une traînée dans toute cette communauté. Oh, je comprends. Tu dis seulement ce que tu ne peux pas faire et fais ce que tu ne peux pas dire. Éloigne-toi de moi. Je vais te faire comprendre que je ne suis pas quelqu'un avec qui jouer. Je te salue. Ezewani, j'ai dit que je t'ai salué. Ne fais pas semblant comme si tu ne m'as pas entendu. Qu'est-ce que tu me veux? Hein, Akidi, qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu au moins me trouver une place où m'asseoir? Ne vois-tu pas que je suis ton visiteur? Ne t'assieds pas, dis ce que tu as dit et quitte ici. Merci. J'ai dit n'ose pas. Je me suis déjà mis. Merci. Ezewan. Tu sais que la fiancée du roi viendra bientôt au palais. Et le roi se prépare pour une très, très grande fête pour son arrivée. Ça, c'est pas vrai! Elle est morte en plein crash! Alors, les gens qui pensaient que cette reine allait mourir auront la honte sur leur visage. Tous ces gens auront la honte sur leur visage. Et malheureusement, elle n'était pas dans cet avion. Elle est en vie. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle moi je suis venu ici. Et à ces jours-là, je sais qu'il y aura abondamment et suffisamment de boissons. Et je sais que j'ai beaucoup pris d'alcool tous ces derniers jours. Alors, je suis venu chez toi pour que tu me donnes des médicaments afin que je puisse vider mon ventre à chaque fois que je veux. Donne-moi ces médicaments. Akidi, cet endroit ressemble à un labo, une pharmacie ou un hôpital pour toi. Comment pourrais-tu venir dans un temple pour demander les médicaments? N'es-tu pas docteur de naissance? Si tu n'as pas avec toi ces médicaments, alors pourquoi es-tu docteur de naissance? Ok. Maintenant, je le comprends. Tu n'es pas en train de faire tout ça depuis la naissance. C'est bien et bon. Peux-tu me donner combatrine et le paracétamol? J'ai appris que ça soigne l'ivresse. Ça soigne l'ivresse. L'ivresse. Donne-moi alors. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux. Est-ce vrai? Je ne sais pas. Je l'ai juste appris. C'est toi qui dois me confirmer.
Si, c'est vrai. Akidi, si tu ne sors pas d'ici maintenant, je vais t'infliger une terrible plaie. Et ça sera pire que la vie que tu vis maintenant. Pourquoi toi, tu peux dire une chose comme ça? Pourquoi tu peux dire ça? Une maladie incurable sur mes pieds, mes fesses, partout. Regarde-toi. As-tu déjà oublié comment j'avais l'habitude d'être frappé depuis l'école primaire? Et depuis que ton père est mort, il t'a laissé ses bois comme un héritage pour toi. Attends, tu penses que je suis déçu par tout ce que tu es en train de dire ici, ou ce que tu portes? Aussi longtemps que Akidi, moi Akidi, je suis concerné, tu n'es pas différente d'une folle. Une femme qui marche partout. Il n'y a pas de différence. S'il te plaît, donne-moi ces médicaments et permets-moi de sortir d'ici. De sortir d'ici. D'ailleurs, cette place n'est pas bonne pour moi. Tu as besoin de médicaments, hein? Ok, attends-moi, j'arrive. Est-elle partie? Ok, je parle et tu t'en vas. Ok, ne pense même pas que j'ai peur de toi. Je n'ai même pas peur de toi. Parce que tout ce que tu es parti prendre ne peut rien me faire. Je suis juste en train de partir parce que je veux juste respecter notre amitié. C'est pas que j'ai peur de toi. Si ce n'était pas pour notre amitié, Zohan, j'allais rester ici. J'allais rester ici. Et tu n'allais rien me faire. Un médicament pour l'ivresse, tu n'en as pas. Et tu te fais aussi appeler Zohan. Attends, je réfléchis un peu. Comment je peux faire ça? Tu as trouvé combien? Si j'additionne avec ça, attends, ça va me donner combien? Ok. Oh, voilà. Papa, devine un peu, ça va te donner combien? Combien? Ne regarde pas, devine. Tu sais que je ne suis pas fort en devinette. Tu le sais. Papa, ça nous donne 57 600 naira. 57 600 naira. De bénéfice. Eh oui. Je suis très contente. C'est beaucoup. J'arrive. Laisse-moi aller donner ce pouvoir à Oudo. Il ne faut pas les traîner là-bas. Reviens bientôt. Je reviens. Tu viens avant. Tu viens avant. 57 600 naira. Ça, c'est bien. Que Dieu te bénisse, oh mon roi. Et pour la 582e fois que je te répète, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Et je ne t'aimerai jamais. Alors, quitte ici. Mon roi, s'il te plaît, non. Je t'aime beaucoup. Donne-moi juste la chance et je vais t'éprouver cela. Donne-moi la chance, s'il te plaît. Tu es folle. Tu es folle. Ok, attends. Laisse-moi te dire quoi? Quelque chose. Quoi, mais juste parle. Quelque chose. S'il te plaît, viens juste me faire un baiser. S'il te plaît. S'il te plaît, pour. Fais-le toi-même. Tu es vraiment folle. Juste ici. Qu'est-ce que je vois là? Tu as vu ça? Tu as vu ça? Merci. Merci. S'il te plaît. Viens, non? S'il te plaît. Selema 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 selema.
ces petits bâtards qui bloquent mon chemin. Vous êtes malade ou quoi? Vous m'avez pas vu venir? C'est toi qui nous as cogné avec ta voiture. Tous ces petits rats qui me retournent la parole. Et qui te paie? Et qui te paie pour retourner la parole? Vous êtes malade ou quoi? Enlevez-moi cette saleté sur mon chemin. Laisse ma fille, laisse ma fille. Laisse ma fille, laisse ma fille. Oh mon Dieu, je passais un bon moment. Ce comédien est vraiment terrible. Tu sais, tu m'as promis de me rendre le sourire. Oui, tu l'as fait. Je te l'avais dit. Oh, je te remercie pour la cérémonie que tu as fait pour notre présence. À tout moment. À tout moment, mon amour. Bien, je suis en préparation de mon concert de danse traditionnelle. Bien sûr. Oui, ça c'est vrai. En fait, dans ce royaume, nous avons une richesse des cultures. Oui. Et d'ailleurs, notre culture est la plus meilleure de toutes les cultures. Et nous avons plusieurs manières de l'exprimer. Waouh. Ça n'a rien à voir avec s'enorgueillir. Et même si on s'est permis de comparer, notre culture est la meilleure. Même les villages voisins le savent. Ok, ça c'est normal. On ne peut pas discuter sur ça. Mais crois-moi, je t'ai vraiment émerveillée de la cérémonie. J'allais dire, j'ai eu une cérémonie comme si j'étais la reine. Tu es ma femme en devenir et tu es la reine en devenir. Alors, tu mérites le meilleur. Tu peux faire ça, merci. Ça a pris combien de temps tout ça? C'est depuis longtemps que je peux me rappeler. Tu n'as jamais pensé à me le dire? On pensait que ta présence allait changer les choses. On pensait que ma femme en devenir, lorsqu'elle sera près de moi, ça allait changer les choses. Et c'est clair que nous nous sommes trompés. Que veux-tu dire par nous? Moi-même et tous les membres du cabinet. Attends une minute. Tu veux dire que tout le monde le sait sauf moi? Qui est-ce? Mon roi, que t'aurais dit à jamais? Oui? La loi de notre royaume stipule qu'aucun prisonnier ne peut rester de passer 48 heures. Elles ont été emmenées ici depuis hier et personne n'a dit un mot depuis jusqu'à maintenant. Ils sont là? Oui, mon roi. Je n'ai fait arrêter personne. De quoi parles-tu? Je le fais. Lysandra, tu es juste arrivée hier et tu commences déjà à faire arrêter des gens. Oh oui, deux personnes misérables qui m'ont empêché le chemin hier. Et je les ai fait arrêter. As-tu au moins l'idée de qui peuvent être ces personnes? Oui, bien sûr, mon roi. Mézier, le tireur de vin, et sa fille, ce sont ces personnes que la reine en devenir a fait arrêter. Mézier, le tireur de vin de palme, oui, mon roi. Je crois que j'ai aussi des problèmes à régler avec lui. Et je crois lui avoir donné de l'argent pour livrer les vins de palme le jour de la fête. Mais après la première partie, il avait disparu. Attends juste que je fasse finir avec tout ça. Et tu vas me conduire chez eux. D'accord, mon roi. Je vous attends dehors. Mon roi, pardon, pardonnez-nous. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est passé. Et puis, on n'a pas pu juste
Je suis celui qui prend de la bière. Il n'y a personne qui prend de la bière plus que moi. Même si on ne me croit pas, je prends de la bière. Ah. À qui j'ai l'honneur? Ma cruche se trouve dans la maison. Comment est-ce que vous allez? Akudo, tu as perdu la tête? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Qu'est-ce qu'il y a? Donc, parce que tu es le grand oracle, les gens ne peuvent plus te saluer? Laisse-moi te dire. Akidi est très, très actif ici. Très actif. Ici en bas. J'ai avec moi toutes mes forces. Je ne suis pas comme le roi qui ne peut pas faire ce qu'il faut. Akidi, si faire de toi un ivrogne n'est pas assez, peut-être que tu deviendras un fou. Si tu continues à me pousser, je n'hésiterai pas de dépasser à l'action. C'est pourquoi tu y es une menteuse. Et c'est pourquoi tu es une menteuse qui ment. Personne n'a fait de moi un ivrogne. Et personne ne peut aussi faire de moi un ivrogne. Boire, c'est dans les sangs. Même toi aussi, tu ne connais pas la vérité. Mon défunt père était un ivrogne. Son père était un ivrogne. Le père de son père était un ivrogne. Et au nom de Dieu et de nos ancêtres, mon enfant qui arrive bientôt sera aussi un ivrogne. Et c'est pourquoi je veux que tu sois ma femme, afin que notre fille soit, qu'elle soit une Ezewane ivrogne. S'il te plaît, accepte ma même un autre jour, je vais me rappeler de ça. Afin que boire continue encore. Ah, Ndoka. Ah, Mazondoche, hein? Je peux voir que vous vous précipitez vers le palais. Oui, la garde du palais était venue chez moi pour me dire que le roi a besoin de moi. De même que moi. Je crois que tout va bien. Oui, j'espère que tout va bien. Est-ce que peux-tu avoir l'idée de la réunion dont il nous a fait appel? Franchement, je ne sais pas assez pourquoi il est en train de m'appeler, mais je suis sûr que Igwe est en train de m'appeler pour résoudre ce problème dès sa partie intime. Dans ces cas, nous devons nous dépêcher vers le palais. C'est urgent. Je pense que tout le monde est déjà là. Igwe. Je suis un homme heureux aujourd'hui. Je suis venu avec une très bonne nouvelle. Vous tous aviez été un soutien pour moi pendant de durs moments et vous m'avez soutenu comme votre roi. J'ai beaucoup aimé. Et je veux aujourd'hui vous annoncer que mes parties intimes se sont remises en marche. C'est vrai. Contrairement à ce que vous pouvez penser, ma fiancée Lysandra n'est pas celle qui m'a aidé pour tout réparer. J'étais face à face avec une jeune fille. J'étais avec elle. J'ai repris mes forces. Et je veux maintenant tous vous annoncer que j'ai décidé de faire d'elle ma reine. Igwe, qui est cette femme dont tu nous parles? Oh no, je sais que vous êtes tous impatients de savoir cette femme. Je vais vous dire. Son nom est Akudo, la fille de Mézier, les tireurs de vin de palme. Waouh, vraiment. Je ne pouvais pas moi aussi croire à ça, mais c'est quand même arrivé après mon contact avec elle. J'ai repris mes forces. Ah, Olotier.
Ah, Olodje. Ije. Hey, c'est vraiment un problème. Pourquoi? C'est vraiment un problème. Je ne vais plus parler de tout ça. Tu commences maintenant à mériter. Si tu crois que je vais faire mes valises et rentrer chez mes parents, tu dois mener ta tête pour t'examiner. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi, Hiro? Non, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Tu sais en quoi je me suis fourrée? Sais-tu au moins combien de situations que j'ai abandonnées à cause de toi? Comme si ce n'était pas assez, je vendis ma maison au Canada juste pour venir ici et puis t'épouser. Et tu me regardes aux yeux et tu me dis que tu veux épouser une fille paysanne qui n'a rien du tout, qui vend le vin de palme pour vivre. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as pas pu me remettre en marche, n'est-ce pas? Ah bon? C'est juste que tu n'es pas un homme habile pour faire marcher ces trucs. Si seulement j'étais capable de lever ma main sur une femme, tu allais voir mon autre face. Et ne le prends pas à la légère. Parce que la prochaine fois que tu essaieras encore de sortir ce genre de mots, en tout cas, je serai prêt à perdre ma patience. Hey, tu dois juste savoir que je connais. Tu n'as jamais été au Canada. Tu n'as aucune maison au Canada. C'est un peu optimiste pour toi de référer le Ghana au Canada. Tantine Ganada. Oh non. Lève-toi et sors de ma parcelle. Mazé Onoche, que la foudre ravage même ta bouche et la donne au vautour. Je pensais que tu étais venu ici m'apportant de bonnes nouvelles. Est-ce vraiment déçu que tu m'aies apporté ce genre de choses avec ta bouche? Mazé Onoche, t'es rendu compte que tu es en train de parler à Olonou? Que ce Onoou soit brûlé et meurt. N'étais-tu pas là quand cet idiot qui s'appelle Hiro avait dit toutes ces bêtises? Et qu'est-ce que tu lui avais dit? Tu avais parlé? Il a dit qu'elle l'a restauré. Juste lorsqu'ils se sont fixés le regard. Eh bien, s'il se maintenant restauré, alors qu'il aille épouser sa fiancée, juste la fille que j'ai choisie pour mon fils. Mazé Onoche, si Akudo l'a restauré, à moins qu'il puisse maintenir le cap, ça, c'est ce que tous nous souhaitions. C'est même pourquoi tu étais agité. Je ne l'ai jamais été. Je n'ai jamais été agité pour que lui puisse venir prendre la fille que j'ai choisie pour mon fils. Hein? Si sa partie intime veut s'en aller, que ça s'en aille, je me fous de tout ce qui peut arriver. Hein? Oh non, Che. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu m'appelles? Va-t'en, va-t'en, pars seulement, sors de ma parcelle, va-t'en. Je n'ai pas besoin des explications. Merci. Ici, va-t'en. Oui, va-t'en. Va-t'en. On verra. On verra quoi? On verra quoi? Tu parles à Renaud. Ah, tu n'es absolument rien. Tu n'es qu'un pauvre. Qu'est-ce que tu as comme bien, toi? Tu n'es rien. Tu n'as rien. Oh, oh, oh. Arrête ça. Arrête de pleurer. Tu ne peux pas perdre cette bataille. Tu ne peux pas. S'il te plaît. Il sait tout. Il sait que je le mentis. Francie, on n'a pas de chance. Bon, que veux-tu qu'on fasse? Abandonner? Jamais. Jamais. Je veux l'épouser. Je veux l'épouser, peu importe le prix. Maintenant, tu as bien parlé, ok? Sois calmé, ça ira. Akudo, comment serait ta surprise? Je ne sais pas de quoi est-ce que tu parles. Arrête ce jeu-là maintenant. Arrête de jouer l'ironie parce que tu sais bien que les rois viendront demander ta main en mariage. Hey, de quel mariage? Ce n'est pas sérieux.
Peut-être qu'il veut mourir et il cherche une solution pour sa vie en m'épousant. Okudo, arrête d'abord de dire ça, non? Pourquoi tu fais comme si tu n'aimes pas les rois? Personnellement, je n'aime pas ce genre de hommes qui n'arrivent pas à se contrôler. Fallu voir lorsqu'il m'a regardé comment il a eu de réaction. Il était très embarrassé. Et il se permet de me dire que ça lui est jamais arrivé. En quoi ça me concerne? Akudo, ta simplicité est l'une des raisons qui me poussent à t'aimer. Je dirais, regarde-toi. Tu as juste les qualités qu'aucune dame dans ce royaume peut avoir. Mais réjouis-toi. Tout ce que tu fais là n'est rien. Oui, parce que ce n'est encore rien. Akudo. Akudo. Oublions tout. Comment à propos de Doka? Tu ne m'as pas encore dit à propos de Vidé, dis-moi. S'il te plaît, j'ai pas envie de parler de Tudoga maintenant là. S'il te plaît. S'il te plaît, va me chercher des mots. Je sors. Oh, quoi? D'accord, je te laisse tranquille. C'est quoi ça? Vous ne pouvez pas partir pendant que je parle. Écoute-moi très bien, Igwe. Pourquoi je t'appelle Igwe? Iro, Iro. Quand un enfant atteint l'âge d'un adulte, il devient vraiment inconfortable. Pourquoi cela? Parce qu'il a maintenant l'âge de parler et discuter avec ses parents. Écoute-moi très bien. Éloigne-toi de Akudo. Détourne-toi de la vie d'Akudo. Akudo ne t'appartient pas, mais à mon fils. Mazur Noche, si vous n'avez plus de respect pour moi, n'avez-vous plus aussi un peu de respect pour mon défunt père, votre ami? C'est d'ailleurs sur base de ce respect que je te parle comme ça. Sinon, je ne t'aurais pas parlé de cette façon. Hein? Reste loin d'Akudo. Reste loin d'elle. Je ne veux plus me répéter. Hiro. Maze Onoche, soyez prudent. Soyez prudent de la manière dont vous me parlez. D'ailleurs, je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Sache que tu es Hiro. Maze Onoche. Akudo. Papa. Ah. Je devrais même me cogner la tête. Mon potentiel beau-père. Oui. Monsieur, bon après-midi. Comment vous allez? Je vais bien, très bien. C'est Akudo que je suis venu chercher. Akudo? Ah. Tu ne l'as pas rencontré en chemin quand tu venais? Mm-mm. Ah. Elle vient de quitter maintenant la maison. Je croyais qu'elle partait te voir à la maison. Oui, nous avions convenu de nous voir aujourd'hui. Hein? J'ai alors beaucoup attendu en vain. C'est pourquoi je me suis dit qu'il y a quelque chose qui pouvait la retenir ici. Voilà pourquoi je suis venu. Non. Elle est sortie. Oh mon Dieu. Que je m'empresse un peu. On peut se voir. Ok, c'est bien. Merci, merci. Merci, papa. Akudo, ça c'est la dernière fois de mentir de ma part. Tu sais que je ne peux pas faire une bêtise pareille. Je ne peux pas. Tu le sais bien. Je suis désolé, papa. Mais pourquoi tu te caches de lui? Oh, papa, ce n'est rien. Ce n'est rien. Il n'y a rien. Mais tu es en train de me fouiller et tu me dis il n'y a rien. Pas de problème. Mon amour, je suis désolée. Je sais que j'ai débordé en paroles. Je ne devais pas faire ça, mais je te promets que ça n'arrivera plus. Je te comprends. Et je comprends comment tu te sens. Si c'était moi à ta place, j'allais encore me sentir très très mal. Mais le problème est que tu ne peux pas m'épouser.
Si je ne suis pas énormément amoureux de toi et qu'il n'y a pas mon cœur dedans, tu ne pourras pas profiter de ce genre de mariage. Je sais que tu as accepté de te fiancer à moi parce que tu voulais en avoir beaucoup. Je sais, je le ferai comme tu le veux. Et même si tu as besoin que je te remette une somme d'argent, essaie juste de me comprendre. Non, tu ne comprends pas ça. Je ne peux pas remplacer ton amour à de l'argent. Aucune somme ne peut le remplacer. Dans une autre circonstance, je ne me vois pas t'être fidèle en tant que ta deuxième. Mais je te dis combien je t'aime et j'accepte d'être ta deuxième épouse. S'il te plaît. Je ne peux pas le faire. Mon père était un modèle pour moi et il continue à l'être. Il ne s'était pas marié à une deuxième femme et je ne peux pas moi aussi. Je vais attendre. Je ne sais pas comment m'enlever cette décision, mais je vais t'attendre. Et peu importe ce qui arrive, je veux que tu saches qu'il y a une personne qui t'aime et se soucie de toi. Oui. Hard to find, but with you I feel alright. True love is hard to find, but with you I feel alright.